Jesus is the king. Okay. Ooh. Jesus is the king. Yeah. Oh. Jesus is the king. I'm black. Jesus is the king. We black. Jesus is the and king. Proud. I'm black. Wonderfully made. I'm black. Wonderfully made. I'm black. Wonderfully made. I'm black. Wonderfully made. Okay, so là, il faut faire un seven. Là, il faut montrer nos roots because we're proud to be black. Okay, on allait frapper un seven. Là. Maintenant. Seven de qualité. Hein? Welcome everyone. What's going on? Yeah, I'm black. Yes, I'm black. I'm so proud. I'm so black. Black and proud. Look at that. Oh, proud of my race. You know what I mean. Proud of our color, skin color. You have to be proud. Proud of who you are. Fier de qui tu es. La Bible te dit que tu es une créature merveilleuse. Hein? Oh là là là. Soyez bénis. Tu es trop belle, mi femme. Oh, thank you. Girl, you look good. Thanks, babe. Girl, you look good. It's all for you. Hey. You know what it is. Allo, tout le monde. Hello, on est tellement content d'être là avec vous. We are here. We are back. It's that time of the day, of the week. It's Thursday, so you know what it is. Mm-hmm. It is double date. Let's go. Alors, bienvenue. Woo. Ah là là là. Super, ta coiffure te va trop bien. Thank you guys. Hey. Oh, you guys are so sweet. Merci. On va baisser le volume des téléphones. On éteint tout ça. Ouais, parce que quand on est en date, quand vous allez en date avec votre mari, avec votre épouse, techniquement, on oublie les téléphones. Hein? Techniquement, on oublie, c'est vrai. On oublie. C'est vrai les que des fois, on oublie. Ben c'est vrai que des fois on oublie. It is the truth. Très important. Il faut comprendre. Yes. Il faut s'ajuster. Mm-hmm. Double date. Yes. Je suis en poste. Magnifique. Super. Oh, coucou. Content d'être avec vous. Super. Double date. Okay, we gotta stop. Welcome to the double date. Control yourself, bro. You look amazing. Thanks, babe. You look amazing. I love you. Okay, on arrête ça. Okay, so c'est le double date. Yes. Pour ceux qui sont là pour la toute première fois, c'est la plateforme Couronnée d'amour internationale. Oui. Nous sommes là pour vous servir. Nous vous aimons tellement. Franchement, c'est vous vrai qu'on se présente jamais. Hein. À vous, hein. On est trop dans notre élément là, puis on oublie de se présenter. Vraiment. Vraiment pour toutes les personnes qui nous suivent pour la toute première fois. Ouh. Comme Joey l'a dit, c'est la plateforme Couronnée d'amour. Aye. Moi, c'est Princesse Nifa Kumpesa. Je suis accompagnée de mon cher époux, merveilleux et tendre époux, Prince Joey Kumpesa. Et nous sommes les fondateurs de ce ministère qui s'appelle Couronnée d'amour international. Alors, comme vous savez, notre objectif, notre mission est vraiment de pouvoir préparer les célibataires et équiper les couples pour qu'ils aient un mariage solide, harmonieux et influent. C'est la mission que le Seigneur a mis dans notre cœur et on réussit à l'accomplir grâce à nos différents programmes en ligne, nos événements quand on n'est pas en confinement. Ouh. Donc, nos événements à travers le monde par la grâce de Dieu, et également des groupes privés que nous avons, notamment le groupe Femmes Exceptionnelles que je vous invite à rejoindre. Si ce n'est pas encore fait, allez simplement sur femmesexceptionnelles.ca. J'ai dit exceptionnel parce que c'est au pluriel. Donc femmes au pluriel, exceptionnelles au pluriel.ca.
et rejoignez-nous. Vous allez être plus que bénis. C'est la plateforme où on prend le temps de répondre à vos questions, pas seulement par écrit, mais même de vive voix, mm-hmm. où je prends le temps de vous écouter. Je fais un suivi avec vous, que mm-hmm. vous soyez marié, fiancé, célibataire, mm-hmm. peu importe, vous êtes les bienvenus. Yep. Et pour messieurs, on ne vous a pas oublié. Rejoignez la plateforme Instagram de Prince Joey K. Vous allez pouvoir participer à ces HD Conversations où on parle de vision, on parle de business, on parle de mariage, on parle de leadership. Vraiment, tout ce qui concerne messieurs. Tu dois révéler ta grandeur. The yes. most important thing that you have to understand is that you as a man, you are great. Yes. And you were destined yes, for yes, greatness. Yes. Ça, amen, c'est amen, quelque chose amen. Qu'on va marteler ouais. juste à temps que le Seigneur revienne. Yes. Chaque homme doit le savoir. Mm-hmm. Vous avez été créé pour la grandeur. Yes. Et si vous le voulez, c'est mon travail humblement de vous parler de ça, de vous expliquer ces choses. Et ensemble, nous allons réellement grandir. Exactement. Grandir. Mais pour aujourd'hui, pour aujourd'hui. Ok, oui ça. On sait que vous êtes super excités. Alors avant qu'on invite, ok, nos gens d'aujourd'hui, hein, le couple, hein, mais on dit pas encore leur nom, le couple d'aujourd'hui, ok, des gens vraiment connus à l'international, vraiment, on a tellement hâte de les entendre et franchement. Yes. Peu importe comment ils vont nous amener dans leur histoire d'amour, mm-hmm. que ce soit avant le mariage, pendant mm-hmm. et après. En tout cas, eux-mêmes seront inspirés. Vous savez qu'on va leur poser des questions entre-temps. Oui. S'il vous plaît, aujourd'hui, surtout avec tout ce qui se passe partout dans le monde, avec le mouvement Black Lives Matter et tout ça, mm-hmm. on veut juste apporter la lumière la aujourd'hui. Lumière, n'oubliez jamais ça. Que la Bible dit que nous sommes... pas tout le monde dans la planète, mais ceux qui sont enfants en de Christ, Dieu, ceux qui sont en Christ, nous sommes la lumière du monde et le ciel et le sel de la terre. De la terre, yes. Ok, on est la lumière, donc c'est nous qui faisons en sorte que les choses peuvent aller de l'avant ou pas. De la même manière qu'on peut les faire aller de l'avant, de la même manière qu'on peut retarder les choses. Mm. Alors aujourd'hui dans le Double D, on veut juste apporter de la lumière. We just want to spread love. It's black all everything. Ok, ça aurait pu être, je veux dire, des blancs aujourd'hui. Oui. Mais je veux dire, c'est aujourd'hui, ton... c'est Black Lives Matter. Black Lives Matter. On veut vraiment soutenir la cause parce qu'on est noir, nos enfants sont noirs, nos parents sont noirs, nos familles sont noires. Oui. Et même si on ne serait pas noir, c'est une cause qui doit concerner tout le monde. Si demain on voit que, je ne sais pas, c'est une autre nation qui se fait martyriser. Qu'on fasse partie de cette nation ou pas, nous allons les supporter. Nous devons les supporter. Nous devons les supporter. En tant que chrétiens, encore plus. Jésus s'est toujours mis du côté des opprimés. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est notre responsabilité de pouvoir prendre position face à ce genre de situation. Donc, vraiment, aujourd'hui, Black Lives Matter. Gloire soit rendue à Dieu, que le Seigneur vraiment accomplisse son œuvre au milieu de ce temps ténébreux, que la lumière de Christ puisse vraiment jaillir au travers de nous tous qui sont vraiment... qui avons Christ dans nos cœurs. Donc, c'est vraiment notre prière et je sais que le Seigneur va se glorifier. Et bon, je crois que sans plus tarder. It is that time, ladies and gentlemen. It's that time of the day when we're going to introduce the main event of the evening. Come on, my name is Prince Joey, Princess Nifa Kumpesa from Couronné d'Amour International. You know, you dig. I'm going all black. Okay? I'm going all black. Ok, alors sans plus tarder, par la grâce du Seigneur, aujourd'hui on a un couple exceptionnel. Ils ont un parcours, ils ont une histoire. Oui. Et franchement, aujourd'hui, on veut réellement qu'ils puissent nous le partager. Alors juste avant qu'on puisse les inviter dans les prochaines deux minutes, on a tout simplement besoin, avec tout ce qui se passe, s'il vous plaît, prenez au moins minimum 10 personnes dans votre liste de contacts et invitez-les à ce live. Yes. Ok, je vous donne exactement, je regarde ma montre là, je vous donne exactement deux minutes, s'il vous plaît. Que chaque personne puisse tout simplement inviter quelqu'un qui connaît minimum 10 personnes. Bonsoir à tout le monde. S'il vous plaît, invitez quelqu'un et en même temps vraiment nous écrire d'où vous nous suivez parce que c'est toujours important pour nous de savoir qui on arrive à toucher avec la plateforme que le Seigneur nous a donnée. Alors c'est vraiment très important. Tonton Joey, we love you. Love you guys too, man. Black is beautiful. Oh my God. Black is so beautiful. Oh.
because I love my God. Black is so beautiful. Black is so beautiful. En tout cas, cette histoire de Black Lives Matter, ça réveille quelque chose Jesus en Joey. Jesus Christ, my Savior. He is the one that he made me black. He is the one that made me. C'est des chansons inventées, hein, ça n'existe pas en passant. Je sais pas dans quel okay, état il est. Ok, il faut que j'arrive, il faut que j'arrive. Il est à un autre niveau, là. Il faut que j'arrive, il faut que j'arrive. Ok. But I like it, though. You like it, that huh? That was a nice song. I'm going to sing it to you tonight. Yeah, avec ma tune. Ok, so who do you got? Est-ce que tout le monde a partagé? Donc, est-ce que France, tout le monde a partagé? France, Belgique. Yes, Togo. Depuis Togo, okay. Magnifique. Guys, il y a le bouton en bas depuis Afrique du Sud, magnifique. Il y a le bouton en bas de votre écran, c'est la petite flèche. Vous cliquez sur cette flèche-là et vous l'envoyez à minimum 10 personnes. Parce que comme vous le voyez, comme vous le savez, surtout si vous êtes des habitués du Double Date, ce qu'on partage au travers de cette émission, ce sont des choses vraiment que, en tout cas, le Seigneur nous permet de pouvoir partager pour édifier son peuple. Mm-hmm. Et les gens ont été tellement bénis au travers le monde, des milliers de personnes grâce à cette émission. Et on veut que ça puisse continuer comme ça pour la gloire du Seigneur. On est plus de 500 personnes en ligne déjà et on n'a même pas commencé encore. Sénégal, donc, Atlanta, Italie, Sénégal, Haïti, United États-Unis, States, Atlanta, France, what's going on? England, what's going on? Yes. Yeah, Joe, why? Why? Because I'm black. What you mean, why? Man, I got attitude and I got the Holy Spirit. What you mean, why? What you mean, why? What you mean, why? Ok, baby, calme-toi, respire, chérie. Ok. C'est bon. I'm spiritual. I'm just okay. Letting you know. Yeah, en fait, c'est juste pour rester. Alors, sans plus tarder, boum. La France est là, l'Allemagne est là. Sans plus tarder, boum. Ok, alors on y va. La ville de Gatineau. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, aidez-nous à accueillir le couple. Press the button. Boum. Oh, non, c'est pas le bon bouton. Oups. There we go, 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 pour la millième fois. Okay. There we go. Ok, ils nous ont pas encore envoyé leur demande, so on va attendre, on va attendre. On attend alors. À moins qu'on puisse les trouver nous-mêmes. Ouais. Ok, on va attendre qu'ils se connectent. Non, je les trouve pas, donc on attend encore quelques minutes. Un vrai animateur, vraiment. Alors les Chimpy, on vous attend, on vous attend. Si jamais vous êtes en ligne, peut-être qu'on n'a pas juste réussi à vous trouver. Ouais. Si vous êtes en ligne, envoyez-nous une demande. Une demande, oui. Bon, j'ai reçu encore une demande, je vais voir si c'est eux. Oui. Let's go. I love them so Boris, much. Boris, moi t'es pas dedans, Boris. Couple Chimpy, welcome. Soyez les bienvenus au Double Date. Ooh, Black is beautiful. You guys just beautiful. You guys are super. Wow. Écoutez-moi si. You are so fresh. So well, thank you, my sister. Thank you. Thank you. Wow. Boris, c'est comment? Ah, on est là. Non, ça, c'est fait pour vous, ce truc-là. C'est vraiment fait pour vous. Non, rien à dire. Et, en tout cas, non. Chacun son truc et vous, c'est vraiment... Thank you, my brother. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Merci, couple Chimpy. Merci d'être parmi nous. Vraiment, comme vous savez, nous vous portons dans notre cœur. Et je pense que les plus de 600 personnes qui sont là également, vraiment, ils avaient tellement hâte Absolument. De vous voir connecter avec nous sur cette plateforme. Absolument. Et nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Nous bénissons le Seigneur pour votre couple, pour votre famille, pour votre ministère et pour tout ce qu'il fera encore au travers de vous. Vraiment, en tout cas, on va les laisser la parole. Absolument. Pour que vous puissiez vous présenter et on va rentrer en fait dans le vif du sujet. Yes. Alors, à vous l'honneur. Yes. Pourquoi qu'on nous dit qu'on bug en fait? Qu'on ne nous entend pas trop bien. Ok, on va ajuster ça. Ouais.
Je sais que si nous, on parle et que vous parlez en même temps, on ne va pas vous entendre et vice-versa. Okay. Donc, nous, de notre côté, on va faire attention de ne pas parler en même temps que vous pour qu'on puisse bien, bien, bien vous entendre. Ouais. Voilà. On n'entend pas les... Ouais. OK. Est-ce que c'est bon? Est-ce que le son, c'est bon? C'est la 4G. C'est parfait. C'est bon? Si, on vous entend. Ouais. OK. Ça m'a donné un coup de stress d'un coup, là. Non. Ouais. Alors, allez. Parfait. Ouais. Donc, on arrête de parler pour qu'on vous laisse... Ouais. On commence par quoi, alors? J'ai perdu. En fait, c'est vraiment... Présentez-vous. Je veux dire, qu'est-ce que vous faites dans la vie, comme vous voulez. Et après, tout simplement, nous décrire votre histoire d'amour. Yes. Qu'est-ce qui fait en sorte que, franchement, vous êtes apprécié de beaucoup? Qu'est-ce qui fait en sorte que, vraiment, le Seigneur vous a fait grâce de vous unir? Vraiment, yes. Comme l'Esprit va vous diriger, ouais. C'est ça qu'on veut entendre. Yes. Et en plus, tout le monde vous aime. Là, je vois, c'est écrit « Chimpy » partout. Donc, ouais, je vois que des cœurs partout. C'est en cascade. Ah oui. Ok les amis, montrez l'amour. Oui, on va voir une cascade de cœurs encore. Oui, montrez les cœurs, écrivez les chimpis. On est là, écrivez. Parce que peut-être qu'ils ont besoin d'être convaincus. Peut-être qu'ils pensent que, oh non, ils ont été choisis par hasard, c'est comme ça. Non, il n'y a pas d'hasard avec nous. Nous, les regarde, choses sont dirigées par le Saint-Esprit. Et voilà. J'espère que vous avez partagé cette vidéo-là. Ils n'ont même pas encore commencé, donc dépêchez-vous. Et ça fait grimper. Ça fait grimper, donc je pense que vous l'avez fait. 723, let's go. Hey. Yes, c'est bon, on vous laisse la parole. Let's go. Here we go, vas-y. Bah, du coup, moi, je suis Cassie Kalala Chimpy, l'épouse de Boris Chimpy. J'ai 27 ans. Et donc, voilà, je suis, grâce à Boris, la maman d'une merveilleuse petite fille. Hey. Ah. Comme vous le savez, je suis chantre de l'Éternel, je suis artiste chrétienne. Et donc, voilà un peu qui je suis. Mm. Voilà. Mon tour, moi alors c'est Boris, je suis un heureux papa de 30 ans et un heureux mari. Moi, le manager de ma femme. Moi, j'ai une pharmacie qui est à Kinshasa au Congo. Mmh. Ouh ! Tellement une entreprise d'optique ici en France et qui va bientôt s'ouvrir aussi au Congo. Wow. Ouh, that's big time. Vous saviez pas ça, hein? Ah. En bon québécois, vous saviez pas ça, c'est ça hein? You didn't know that. Vous pensez que, oh, la y a soeur, que la musique. La soeur, elle a épousé un gars, mais le gars, on sait pas. Là, il fait rien. Il vient de dire les choses. Ah. Il vient de dire les choses. Voilà. Et franchement, ça uplift la communauté noire de savoir qu'on être quelqu'un de grand dans ce monde. Les noirs aussi, on a un cerveau et un cerveau qui fonctionne bien, s'il vous plaît. Let's go. Alors, rapidement, franchement, qu'est-ce qui constitue votre histoire? Yes. Juste nous parler vraiment à cœur ouvert. Il n'y a pas de stress. Là, on est vraiment à cœur ouvert. Mm. Les gens qui sont là, qui sont en train de vous mettre des cœurs et en train d'écrire et tout, ils veulent juste être inspirés avec tout ce qu'on est en train de vivre, avec le mouvement Black Lives Matter, avec toute la tragédie qui se passe aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Les gens veulent juste être inspirés, ils veulent juste entendre que vraiment, avec tout ce qui se passe, l'amour existe encore, qui veut dire l'amour de Christ existe encore. Mmh. Alors, c'est vraiment ça que les gens veulent entendre. Alors, vous pouvez parler de avant le mariage, comment ça a commencé, hein? C'est vraiment ça. Comment t'as approché la chantre de l'Éternel, hein? Je sais que tu voulais un nouveau départ, hein? Nouveau départ. Ah, ça s'annonce bien. Vraiment. C'est vrai? Non, vas-y, commence. Ouais. Du coup, Boris et moi, on s'est rencontrés, déjà, en fait, selon la conjoncture, selon, en fait, notre mode de vie, notre style de vie, déjà, c'était pas possible qu'on se rencontre parce que déjà, on n'était pas dans le même milieu. On était vraiment deux opposés, vraiment, par rapport à notre caractère, par rapport à tous nos fréquentations, on était vraiment deux opposés. Et Boris n'habitait pas à Paris.
et moi j'habitais à Paris, donc c'était pas possible qu'on se rencontre. Et donc en fait, pour pas m'élargir un peu sur le terrain, quand j'ai rencontré Boris, faut savoir que ben, pour ceux qui m'ont suivi et qui suivent mon témoignage, quand j'ai passé le bac, pour ceux qui sont aux États-Unis, en Amérique, le bac, si vous voulez, c'est l'équivalent, c'est après le collège, c'est pour aller à l'université. Le cégep, à peu près. Voilà. Mmh. Donc, on a un diplôme qu'il faut valider pour passer, en fait, à l'université. Et moi, j'ai repris ce diplôme 3 fois. Et donc, au bout de 3 fois, j'ai passé. La 3e fois, je l'ai repris, mais en candidat libre, c'est-à-dire que je l'ai repris moi-même sans aller à l'école. Donc, après ça, j'étais fatiguée. Clairement, j'ai dit, l'école, pour moi, c'est terminé. Je fais une grosse pause, une croix dessus. Donc, j'ai commencé à travailler. Et j'ai commencé à travailler. Et puis, voilà, en fait, moi, pour moi, j'allais travailler. J'allais être vendeuse. Voilà. Vendeuse, vu qu'à l'époque, je voulais faire... je voulais aller en école de musicologie. Mais bon, pour ma famille, à l'époque, non. Pas aller en école de musicologie, c'était pas ça. En fait, ils comprenaient pas l'amour que j'avais pour la musique. Donc, bah, il y avait pas question de parler d'école de musicologie, en fait. Donc, j'ai travaillé. Donc, j'étais vendeuse. Et puis, voilà, après, j'ai eu des possibilités d'évoluer, etc. Donc, moi, c'était que ça. Et après... J'ai raconté ma partie. Avant qu'on puisse commencer à se fréquenter avec Cassie, du coup, il faut savoir que j'avais une relation déjà avec quelqu'un. Je suis resté 4 ans avec une personne juste avant. Et donc, il faut savoir que cette personne, je l'avais présentée à ma famille. Toute la famille pensait que j'allais même moi, à cette époque-là, je pensais que j'allais me marier avec elle. C'était une personne avec qui j'allais rester toute ma vie, en fait. Et à la 3e année avec cette personne, donc c'était en 2013, c'est là où vraiment j'ai décidé de donner sérieusement ma vie à Christ. Et c'était en mars, si je me rappelle bien. Et donc, quand j'ai décidé de donner sérieusement ma vie à Christ, c'était vraiment que j'essaie d'être droit dans tout ce que je fais, en fait. Et avec cette personne, donc on habitait à 5 minutes, donc c'est comme si on vivait ensemble, en fait. Chaque jour, j'étais chez cette personne, chaque jour, elle était chez moi, en fait. Donc, c'était vraiment une relation, vraiment, on vivait comme si on vivait déjà ensemble, quoi. Et lorsque j'ai décidé de donner ma vie à Christ, cette personne a décidé de me suivre. Mais en fait, elle a décidé de me suivre plus pour me faire plaisir que de suivre Christ, en fait. Je lui en veux pas. Et du coup, moi, j'ai changé d'un seul coup. J'ai changé radicalement, en fait. Parce que vraiment, être et rien d'autre. Et du coup, plus on avançait et plus je voyais que qu'il y avait trop de séparation, en fait. Donc, je me suis dit, non, ça va pas. En fait, j'ai l'impression de lui donner plus d'efforts à faire que qu'elle a se donné vraiment tout pleinement à Christ, librement, en fait. Donc, je me suis dit au bout d'un moment, bon, bah, je pense que ça peut plus le faire, en fait. Dans ma vie, je voyais que ça pouvait plus le faire. Il faut savoir qu'entre-temps, à cette période-là, donc comme je vous ai dit, c'est en mars que j'ai décidé de donner ma vie à Christ. En juin, je suis aux États-Unis. Donc, il faut savoir que je fais du foot de base. Et, du foot, je comprends la tenue, je comprends la tenue. Je peux aller me changer si tu veux. La fin de tes yobos, et gars. Ok, vas-y. Donc le foot, c'est le soccer, hein, pour ceux qui sont ici en Amérique. C'est ça. Yes, donc je fais du foot depuis que j'ai 12 ans. Bah, j'ai fait centre de formation, donc j'ai fait école, vraiment foot en fait. J'ai fait sport études, que ce soit de mes 12 ans jusqu'à... J'ai toujours fait du foot en fait, donc c'était le matin. Donc, on arrive en juin, et en juin, j'ai une université aux États-Unis, donc plusieurs, mais j'en ai choisi une, qui avait accepté que j'aille chez eux. Et donc, il faut savoir que les bourses là-bas, c'est 80 000 euros l'année en université. Et donc, cette université prenait tout en charge pour moi, en fait. Parce que, on peut dire. Et donc, ils souhaitaient prendre tout en charge pour moi. Et donc, j'étais prêt, j'ai validé, j'ai dit OK, pas de problème. Et une semaine avant de partir, j'ai mon agent de foot qui était ici en France et qui me dit « Ouais, je sais que tu vas partir et tout, mais il y a un bon club et tout qui aimerait bien te voir avant que tu partes, tu vois. » On ne sait jamais, tu vois. En plus, c'était un peu… Ils avaient pour objectif d'être professionnels l'année d'après. D'ailleurs, ils sont passés pro l'année d'après. Et du coup, j'ai dit « Ok, vas-y, pourquoi pas. De toute façon, je pars dans une semaine, j'ai rien à perdre. Hein. Je vais jouer et tout. Wow. »
en ce match. Donc, je fais le match comme il se doit. La première mi-temps, tout se passe très, très bien. C'était même impeccable la première mi-temps. Je n'avais jamais fait un match aussi bien. Ouf. Wow. Oh, ouf. Agent, j'ai mon agent qui me regarde et tout. Il me dit, c'est parfait. Sérieusement, j'ai parlé au coach. Tu continues comme ça, rien que 15 minutes en deuxième mi-temps, et c'est parfait, tu signes. Et c'est parfait, gloire à Dieu. Peut-être que je ne vais pas partir finalement. Mm. Et deuxième mi-temps, et le ballon, l'arbitre siffle. Le ballon, il se joue. Et même pas 5 minutes après, le ballon, donc, il vient sur moi. Le premier ballon qui arrive sur moi. Et je saute, je me mets à sauter. Et je suis droitier. Hein. Donc, je me mets à sauter. Et plutôt que de retomber sur mon pied droit, en fait, je ne sais pas pourquoi, je me retombe sur mon pied gauche. Et du coup, j'ai mon genou qui part, en fait. Oh. Du coup, entorse du genou, ligament croisé. Oh. L'arme de mon corps. Donc, je me suis dit, c'est pas possible. Je donne ma vie à Christ cette année, qu'est-ce qui se passe? Je devais partir il y a une semaine. Et là, juste avant de partir, donc, tout est foutu. Donc là, j'ai jamais autant pleuré. J'ai jamais autant pleuré de ma vie. Un grand comme moi, là, j'ai pleuré comme un bébé. Oh, ah, oh là là. Attends, bro, j'essaie de comprendre. Ouais. So, ils te disent, tout est bien, la première mi-temps, t'as bien joué, tout est donc, parfait. Donc, il avait jamais aussi bien joué, même. Donc, ouais. c'était son, je sais pas, ça allait l'amener à un autre niveau de gloire. C'était fini, là. Et là, ils te disent, OK, juste encore 5-15 ouais. minutes, là, deuxième mi-temps, puis c'est tout. Mmh. Et là, dès que tu commences à jouer, paf, paf. Blessure. Ouh. Oh là là, parce que ligament déchiré, c'est ça que t'as dit? J'ai entendu du genou, j'ai une ménisque et ligament. Ouf. Ça, c'est des choses, dans le basket, j'entends ça souvent. Et ouais. ils disent que quand un joueur se le déchire, t'es prêt, même quand tu te remets, tu deviens, tu peux jamais revenir à 100%, on dirait. C'est comme si, ah là là. Waouh. Waouh. Pour moi, c'était foutu. Donc, je vous remercie à Dieu. J'en voulais à Dieu pendant un bon mois. Parce que, aux États-Unis, je sais que là-bas, c'était, moi, en fait, de chez nous, de base, on est beaucoup aux États-Unis, en fait. On a de la famille aux États-Unis. Et on a pour habitude d'y aller, depuis qu'on est petit, on y allait presque tous les ans, quoi. Donc, on est les États-Unis pour nous, c'était tout pour nous. Quoi. Mm. Et, du coup, je pleure, j'en veux à Christ. Je peux pas, je te donne ma vie et voilà ce que tu fais. Non, c'est pas normal et tout. Donc, la vie continue. Et là, le Seigneur t'a dit Nous venez pas. Nous venez pas. Okay, c'est bon. Je crois que l'agent là. C'était l'ange que Dieu avait envoyé pour moi. Aïe, je te dis, ma sœur, il était révélé. Voilà. Les choses sortent maintenant. Okay, les gens, il faut nous excuser en avance. Parce que par moment, vous allez juste entendre Ça va sortir par moment, préparez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Il ne faut pas nous en vouloir. Continuez. Donc, voilà. Du coup, du coup, la fin de l'année approche et du coup, je suis blessé. Donc, je me suis dit, bon, j'ai repris les études entre-temps en septembre. Donc, j'avais repris mes études d'optique en tant que pour opticien. Et on arrive en décembre et tout. Et là, le mois de décembre, je passe un mois de jeûne, en fait. Et je me suis dit, un mois de jeûne, vraiment, tous les soirs, je me réveillais. Je pense que je pleurais même le soir. Et une nuit, je me réveille et je me mets à pleurer. Et je dis au Seigneur, Seigneur, ok, aujourd'hui, je vais te parler clairement. Là, c'est soit j'arrête ma relation, il n'y a pas de problème, je vais arrêter ma relation. Si c'est ça vraiment que tu veux, si c'est vraiment ça que tu attendais pour mon nouveau départ, j'arrête ma relation. Je sens très bien que ça ne va pas par rapport à toi. Moi-même, je ne me sens pas à l'aise en fait dans ma relation avec toi et avec la relation que j'ai à côté. Donc, que ce soit terminé, que tout soit fini. Donc, je décide de donner ma vie. S'il faut maintenant que je ne rencontre plus de femme. Permets que je fasse ta mission, ce à quoi tu m'as appelé. Donc, fais ce que bon te sera, en fait. Mais, bien dit un mais. Du coup, j'ai dit mais. Et là, pendant cette nuit-là, je me rappelle, j'ai même écrit, j'ai dit mais. Par contre, si tu es femme, alors là, j'ai commencé à écrire. J'ai dit, il faut qu'elle soit grande. Il faut qu'elle craigne le Seigneur. Alors, je crois que j'ai dû dire 15, je crois, 15 caractéristiques. 15, pile vraiment 15. Hein. J'ai dit, vraiment... Il n'y a pas ça, c'est hors de question, je ne veux pas de femme. Je veux juste que tu permettes que je fasse la mission pour laquelle tu m'as appelé. Waouh. Je m'endors, je me réveille, une semaine, pas de réponse, donc je commence à dire bon, ok.
Oh, snap. Après que tu m'as appelé, il n'y a pas de problème. Ma relation, elle est finie. Là, avec toute personne, c'était fini. J'ai dit, OK, je vais m'appeler, il n'y a pas de problème et tout. Un mois après, je monte avec mon petit frère. On monte sur Paris. Généralement, quand on monte avec, sur Paris avec ma famille et tout, je suis avec mon petit frère et mes cousins. En fait, mes cousins et mon petit frère, c'est vraiment les personnes avec qui je traîne tout le temps. OK. Il faut savoir que depuis que j'ai donné ma... Aussi, j'ai oublié de dire, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, je me suis séparé de toutes les relations que j'avais, en fait. J'ai presque plus de... Et tout ça, j'ai peu... Mon meilleur ami qui était mon témoin de mariage, mais sinon, en termes d'amis, j'ai presque tout perdu parce qu'on était habitué à ce qui est boîte de nuit et tout. En fait... Real talk, mais oui, mais oui. C'est un autre monde. C'est vraiment un autre monde. Un autre monde. Voilà. Et du coup, voilà. Du coup, on monte chez mon cousin et on est là le soir et tout. Je crois qu'il était 3h, 4h du matin. Prépare-toi. Donc, ouais, ouais. Mais moi, je suis prête. Prépare-toi pour notre cri de guerre, là. Je suis prête. Continue. Et mon cousin, c'est un musicien, en fait. C'est un bassiste à Paris. Donc, il faut savoir que dans le milieu chrétien de Paris, surtout congolais, la plupart, ils se connaissent tous. C'est-à-dire les musiciens. On sait que si, par exemple, on est bassiste, on va appeler tel. On va un guitariste, on va appeler tel. C'était dans ça en fait. Comme à Montréal aussi, je veux dire, tous les musiciens dans la communauté, tout le monde se connaît. Ouais. Mm. Et on est là le soir, 3h, 4h. Bon, on est entre garçons. Hein. Et là, entre garçons, on commence à parler de filles, ce qui est logique. Hey. Ça... Mm-hmm. Donc moi, je ne m'intéresse pas et tout. Et c'était à l'époque des BBM, BlackBerry Messenger. Mm, BBM, on BBM, connaît ça. BBM. C'était chaud BBM. Chaud seulement hey. En tout cas. Pardon. Oh. J'attends seulement que tu finisses comme ça. That's it. Les filles de Paris et tout. Il faut savoir que pour moi à cette époque-là, bon, j'étais un garçon, mais l'idéal féminin que je voyais, c'était un peu Megan Good. Je ne sais pas si vous voyez tout. À l'époque, hein, c'était Megan Good. Okay. Megan, un peu courte là, comme ça là. Et on parlait des filles et tout, et on parle. Et un jour, à un moment, mon cousin il arrive, il dit ouais, je sais pas pourquoi il parle ça. Il dit ouais, Cassie, je crois, elle a fait un truc ou elle a parlé d'un son, je sais pas quoi. Et on parle et tout. Et dès qu'il monte la photo et tout, oh, je commence à redresser. Donc on avait tout passé. Il y avait peut-être qu'un fille qui était passé avant, je m'en fichais. On voit Cassie et je me redresse, je fais oh, attends, c'est qui ça? Oh. Non, ça s'affiche. Nouveau départ. Ok, c'est bon. Fallait que ça sorte. Ouais, je vais vous expliquer. Au fait, à l'époque, Megan Good, elle avait une coupe comme ça, qu'elle faisait comme ça, court sur le côté, avec des cheveux, tout ça. Okay. Explique, maman. Explique. Moi, une coupe. Et après, plus tard, il m'a avoué que lui, il était amoureux de Megan Good. Il aimait trop. Donc, quand il m'a vu sur la photo, là, déjà, en plus, j'avais la même coupe que Megan Good. Donc, il a vu que je ressemblais à Megan Good. Donc là, il a dit, c'est quelle Megan Good, ça? Si, je vais continuer. Un autre niveau. Aujourd'hui, elle est beaucoup mieux que Megan Good. On va amen. Se dire. Amen, oh. Amen, amen, amen. Amen, mon frère. Amen, mon frère. Amen. Loba. Donc voilà, il dit, ouais, bah, et tout, tu connais pas, c'est une chante et tout, elle est connue à Paris, tout ça. Alors, faut savoir que moi, en tant que chrétien, comme je vous ai dit, chez nous, on est plus anglophone. Mm. Donc, ça, bah, écoutez, c'est plus le gospel américain et tout autre. Donc, tout ce qui est, même si je suis congolais, de base, tout ce qui est les délires congo, moi, je suis pas dedans. Pas du tout dedans. Je t'en dépose. Parce que ma soeur, elle a dit, Mégane de Kid, c'est pas gentil. Waouh! Ok, on retourne. On retourne dans le. Donc, c'est. Ouais, c'est Cassie, elle est connue et tout. Je dis, mais moi, c'est le dernier de mes soucis qu'elle s'appelle Cassie Kalala ou qui que ce soit. En fait, je ne connaissais même pas. Moi, je veux juste savoir qui c'est. Donc, il me dit, ouais, c'est elle et tout. Je dis, ok, je laisse tomber et tout. Et on reste dans la nuit et je continue. Après, je reviens, je me dis, non. Je dis, bro, je sais pas pourquoi. Et c'est vraiment, je sais pas pourquoi ce qui m'est arrivé ce jour-là. Je dis, frère, faut que tu me passes ton numéro. Faut que tu me passes ton BBM au moins.
Il me dit non, son numéro, ça va être chaud et tout. Je dis au moins, je te passe son BBM. Je dis non, passe son BBM. Parce que là, je ne sais pas ce qui se passe en fait. Je ne sais pas, c'est bizarre. Et envoie son BBM, s'il te plaît. Donc, là, on arrive. Elle va prendre la parole parce qu'elle préfère expliquer cette la suite. Elle préfère expliquer. Elle dit que c'est, mieux, c'est elle qui explique le mieux. Donc, non, mais tu peux. Vas-y, vas-y. Donc, après ça et tout, à l'époque, du coup, j'avais aussi BBM. Et puis, je reçois une demande sur BBM. Du coup, je vois la photo. Je vois la photo et tout. Je vois la demande. Et puis, j'ai pas... En fait, il faut savoir qu'à l'époque, j'étais sortie avec... je sortais d'une histoire vraiment qui m'avait vraiment tuée. Mais vraiment, c'était vraiment une mauvaise expérience pour moi. Mmh. On connaît ça, ma sœur. On connaît ça. Dieu nous a sortis de loin. Oh. À l'époque, là, quand j'avais eu cette histoire, j'étais... Bad, je voulais arrêter la musique. Vraiment, si même je pouvais me suicider, je crois que je me serais suicidée. Mais Dieu merci. Waouh! Et du coup, je sais que j'avais dit cette prière à Dieu. J'avais dit, Seigneur, en tout cas, je vais me consacrer à l'église et à mon travail jusqu'à ce que je rencontre en fait la personne qu'il faudra pour moi. Mais en fait, je voulais plus entendre parler des garçons. Mais vraiment... Excuse-moi, Sista. Hein. Excuse-moi de te couper. Tu as dit que. La relation t'avait amené à un tel point que tu pensais même au suicide. Oui, parce ça, c'est, que... C'est fort, ça. Ouais. Parce qu'on est passé vite dessus, mais c'est fort. Parce qu'il y a beaucoup... Et maintenant, pour être un peu plus sérieux, il y a beaucoup de personnes. Ouais. Les relations, ça les a amenés jusque-là. Ouais. Ça les a amenés jusque-là. Alors, le fait que t'en parles, t'étais pas obligé de le dire. Mm. Mais le fait que tu le dises, vraiment, on te lance notre chapeau. Ouais. Franchement, bravo d'avoir pu... être transparente à ce niveau-là. Et je crois que ça va même encourager certaines femmes. Moi-même, je fais partie des femmes qui sont passées par ce genre de relation très, très difficile. Mm. Mais on prie que ce témoignage puisse vraiment te relever, puisse vraiment t'encourager et te rappeler que peu importe le passé que tu as eu, peu importe les déceptions que tu as eues, le Seigneur est capable de te donner un nouveau départ. Mm. Donc vraiment, reçois cette parole, que ce témoignage vraiment puisse te parler. Mm-hmm. Tu peux continuer, ma chère. Ouais. Donc, en fait, par rapport à, si je reviens un peu par rapport à la relation, en fait, c'était que ça s'était mal passé. Il s'était vraiment sorti à l'extérieur et il y avait beaucoup d'incompréhension, beaucoup de choses. Et c'est une situation, une relation qui était sortie à l'extérieur qui avait vraiment sali mon image à l'époque. Mmh. Je rappelle qu'à l'époque, mes ancêtres et tout, un jour, ils me convoquent et tout. Et ils me disent, qu'est-ce qui se passe et tout. Ça avait beaucoup jasé sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, les réseaux sociaux, des fois, c'est pour ça que après, jusqu'à présent, aujourd'hui, je suis vraiment distante quand même. Malgré que je suis présente, je mets cette distance avec les réseaux sociaux. Mais mon ancien producteur, il m'appelle et il me dit, ouais, viens, il faut qu'on parle. Et il me dit, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. J'étais dans le métro et j'entends des jeunes qui étaient assis et qui disent, ouais, il s'est passé ça, les classiques, là, tout ça et tout. Et du coup, je me suis dit, c'est trop, en fait. Et ils m'ont dit, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, je leur ai expliqué tout ça. Mais vraiment, cette j'étais vidée, vraiment spirituellement, ça m'avait vidée. Autant, après, je pense qu'après, Dieu a permis en fait, que je puisse avoir cette situation-là pour passer à un autre cap. Et droitement. Je pense, mais c'est vrai que ça m'avait vraiment détruit au fait. Et donc, la vie c'est fini vraiment les histoires de garçons là, c'était terminé. Mais je sais que c'est important aussi d'avoir un bon entourage parce que franchement j'ai eu des copines qui étaient merveilleuses qui m'ont soutenue comme ça. Et franchement, ayez des bonnes personnes autour de vous vraiment. C'est je suis comme ça avec elle et vraiment ayez des bonnes personnes autour de vous, c'est très très important. Et donc voilà, donc pour revenir à notre histoire, ni moi c'est le travail, l'église, je me concentre, tout ça, tout ça. Et puis je reçois une demande, tout ça, sur BBM. Du coup, avant sur BBM, il n'y avait pas le système de bloquer les photos. Je ne sais pas s'il y avait le système de bloquer les photos, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, ça n'a pas bloqué. Donc j'ai appuyé sur la photo, j'ai vu son visage, j'ai dit bon il est pas moche, il est pas beau de fou, donc sans pas de voilà quoi. Et puis j'étais pas en mode,
C'est pas en mode, ah, premier garçon qui m'envoie un... Double date, double date. Exact. On se régale. J'étais pas en mode... J'étais pas en mode, ouais... J'étais pas en mode, oui, et tout, je saute sur lui. Donc, il m'a envoyé un message. Il me dit, salut Cassie. Et moi, en fait, de nature, même jusqu'à présent, et je lutte avec ça, les gens me font le reproche. Mmh. Donc, tous ceux qui me regardent, nos proches, vous savez que c'est Marie là pour témoigner. Quand je reçois... Elle fait pas exprès. Je fais pas exprès. Mmh. C'est-à-dire que je vois la notification et je me dis, bon, comme c'est pas important, c'est pas urgent, je regarde, je vois la notification, je vais répondre après. Mmh. Et souvent, le après se transforme en oubli. Mais quand je réponds tout ça, je n'étais pas urgent, bah, j'ai pas répondu au fait. Et c'est pendant un jour, deux jours. J'ai deux pas jours, deux jours. Pendant deux jours, j'ai pas répondu. Deux jours après, je reçois un message, toujours de lui. Bon, Cassie, si j'ai pris ton numéro, c'est pas pour rien, il faut qu'on parle. J'ai dit yeah! J'ai dit yeah! J'ai dit, là, dès que j'ai vu ce message-là, j'ai répondu. J'ai répondu directement. Et puis, j'ai dit, oui, je suis là, je t'écoute. Et puis là, il m'a dit, bon, Cassie, on m'a dit que ça coupe. Est-ce que vous nous entendez? Oui, on vous entend. C'est si on fait du bruit, là, ça coupe. Donc, okay. Faut qu'on fasse du bruit. Et donc, du coup, là, à ce moment-là, je dis, oui, il m'envoie le message. Je dis, du coup, je vois qu'il me dit un message comme ça. Après, je dis, OK. J'ai dit, je réponds. Il dit, oui, je t'écoute. Il dit, bon, écoute, Cassie, si j'ai pris ton numéro, c'est pas pour rien, c'est pas pour être ton ami, si j'ai pris ton numéro, c'est parce que je pense que tu peux être la femme de ma vie. Ah oui, nouveau départ. Nouveau départ. Donc, il allait tout droit au but, là. Droit au but. Bon, en tout cas, est-ce qu'on peut mettre des cœurs pour ce type d'homme, s'il vous plaît? Qui n'ont pas le temps de nous faire sillonner, je ne sais pas comment, straight up to the point. Merci. Et donc, du coup, il m'a dit clairement, ouais, je pense que tu peux être la femme de ma vie. Tout. Dans ma tête, je me suis dit, mais attends, il ne me connaît même pas. Il sort d'où, lui, au fait? Et donc, du coup, je lui réponds, la première chose que je lui réponds, c'est je lui dis, qui t'a donné mon contact? Et puis là, il me dit, c'est mon cousin. Je lui dis, OK. Donc, lui, je l'ai mis en pause. Je suis partie, j'ai appelé son cousin. Je ne sais plus si je l'ai appelé. J'ai appelé. Ouais, pourquoi tu as donné mon numéro? Parce que son cousin, il était au courant de tout ce qui s'était passé avant, hein, tout ça et tout. Et je parlais vraiment bien avec son cousin. Ouais, pourquoi tu as donné mon numéro? Moi, je t'avais dit que moi, je ne voulais plus. Les histoires de garçons, c'est terminé. Tu as donné mon numéro, mon BBM comme ça, sans me dire, tout ça et tout. Alors, il m'a dit non, mais le bro, il a insisté. Cassie, je te jure, il m'a tellement. Jusqu'à il voulait ton numéro. J'ai dit non, je peux pas donner ton numéro. Si tu veux, au pire, je te donne son BBM. Il a insisté, le bro, il a insisté. Wow. Seigneur, que tu bénisses ce cousin là où il est, qu'il reçoive une bénédiction. Ah, mais oui, ah, mais oui. Il était révélé. Si. Du coup, après, je laisse le cousin, on raccroche et je réécris à Boris. Et du coup, à Boris, bon. Franchement, je ne te promets rien parce que vraiment je sors d'une histoire qui est trop compliquée. Donc, je te promets rien, mais je veux bien apprendre à te connaître, mais je te promets rien. Sage, ça. Très sage. Mm. Ok, d'accord et tout. Et du coup, en fait, je ne sais pas s'il l'avait fait exprès à l'époque ou vraiment. Bon, je pense qu'il était vraiment comme ça. Il a commencé en fait à l'époque sur BBM. Il y avait un système de statues, en fait. On pouvait mettre des statues. Et lui, chaque jour, il mettait un verset biblique. OK. C'était une tactique ou c'était vraiment... Non, c'était vraiment vrai. Il faut dire les vraies choses maintenant. Comme vous êtes mariés, là, les choses peuvent sortir. Est-ce que c'était une stratégie de séduction ou bien... il mettait un verset biblique chaque jour. Ouais. Pourquoi? Chaque jour, en fait, il actualisait son verset, son statut, en fait. OK. Avec un nouveau verset. Et je me suis dit, oh, mais lui, il a l'air de connaître la parole. Ça m'a intrigué et tout.
Donc, du coup, on ne se connaissait pas, vu que ça faisait que 2 jours. Il m'a dit, tu peux être la femme de ma vie. Moi, je dis, je veux bien apprendre notre connaître, mais je ne te promets rien. Et puis, paf, j'ai la personne sur mes DM, quoi. Donc, voilà, quoi. Et au fait, après, j'étais intriguée. Je lui ai demandé, je lui ai dit, pourquoi, en fait, tu mets des statuts, des versets bibliques, en fait, chaque jour, tu changes et tout, des versets bibliques et tout. Et il m'a dit, c'est trop bien. Non, parce que le mois de mars, en fait, a 31 jours. Et pendant le mois de mars, chaque mois de mars, on a eu l'habitude de le faire avec ma famille depuis toujours. Wow. Et en fait, chaque mois de mars, en fait, chaque jour, en fait, je lis un livre de proverbes, un chapitre de proverbes. Un chapitre. De proverbes. Après, j'ai dit, ah, ok. Et je tiens à dire que quand même, ce truc-là, jusqu'à présent, on le fait. Donc, wow. Ok, so tous les hommes sur le live présentement. On vous donne un challenge, en fait. Et les hommes et les femmes. Allez le faire. On vous donne un challenge. Il y a 31 chapitres dans le livre des Proverbes et il y a 31 jours à chaque 2 mois. Ouais. Donc, on vous encourage. Vraiment, les mois où il y a 31 jours, prenez une journée pour lire un chapitre du livre des Proverbes. Tu sais, quelqu'un m'avait donné cette stratégie-là aussi en 2008. Et franchement, ça va développer votre niveau de sagesse. Vous allez savoir comment agir dans des situations très délicates, mais avec beaucoup de sagesse, la sagesse qui vient de l'Éternel. Donc, c'est un beau challenge. On vous le donne à tous. Et donnez-nous des nouvelles pour nous dire comment est-ce que ça se passe de votre côté. Absolument. Super, wow. C'est vrai que le Proverbe, en fait, c'est mon livre préféré. Parce qu'en fait, en le lisant, je suis toujours émerveillé en fait, de l'intelligence et de la sagesse qu'il a eu à l'écrire. En fait. Et quand quelqu'un écrit comme ça, je sais pas, moi, ça, en fait, j'admire en fait, l'intelligence qu'il y a au travers de l'écrivain, quoi, et la sagesse. En fait. Donc, ouais, c'est vraiment mon livre préféré. C'est vraiment mon livre préféré. Waouh! Fort ça. Très fort. Fort ça. Oh, j'aime beaucoup lire aussi, c'est pour ça. Mais c'est très important. Très important. Très important. Très important. Mm-hmm. Et donc, du coup, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, il m'a proposé, il m'a expliqué. Et après, il m'a proposé, il m'a dit, bah, si tu veux, on pourra en lire ensemble. Et au fait, on n'était pas ensemble. Ça faisait peut-être deux semaines qu'on se parlait, on s'appelait au téléphone, etc. Et du coup, bah, quand il m'a proposé de lire le livre des Proverbes avec lui, bah, du coup, en fait, automatiquement, on a développé, alors qu'on n'était pas encore ensemble, une vie de prière. C'est-à-dire qu'avant de prier, Boris, il me disait, parce qu'il faut savoir que moi, par rapport, j'étais vraiment un vidé, hein, vraiment spirituellement, j'étais au plus bas. Et du coup, Boris, il me disait, ok, bah, on parlait, on s'appelait le soir, comment ça a été ta journée, patati patata et tout. Et puis, il me dit, ok, on va prier. Et donc, pour terminer notre conversation, on lisait d'abord le livre de Proverbe et après, on priait et puis on dormait. Et sachant que on était comme ça, alors qu'on n'était pas ensemble. On était en train d'apprendre à se connaître, mais on avait déjà développé, au fait, une vie de prière automatiquement ensemble. Wow. Et, du coup, on a commencé à se parler fin janvier. Ça a duré pendant un mois, parce que c'est vers mars. Le 16 mars. Donc pendant un mois et demi, ça a duré comme ça. Et il faut savoir que Boris, à l'époque, il habitait à Rennes, au fait. Il était entre Le Mans et Rennes. Il faisait ses études à Rennes. Et en même temps, il étudiait en même temps. Il aimait trop l'école à cette époque-là, je ne sais pas. Donc, à Rennes, déjà. Non, mais à Rennes, il étudiait. Et puis, au Mans, le jeudi, il avait encore un cours de pharmacie. Donc, c'était jeudi matin. Donc, il y a une grande distance entre les deux places. Ouais, entre Le Mans et Rennes, c'est en voiture, c'est deux heures. Waouh, quand même, mon Dieu, t'étais motivé. Hey, motivé, ça. Oh, waouh. Hey, mon Dieu. I like that. Ouais. Super. Tu l'as à la fin. Oui, j'avais déjà quitté mon ex, bien évidemment, je l'ai quitté. Quand même, t'avais quitté. Je l'ai quitté. Ah oui, quand même. Ah, ça, c'est les gens qui ont demandé dans les commentaires. Hein. Ah, c'est bon. Il faut préciser les choses. Vous êtes dans l'histoire, c'est bon, j'aime ça. Ouais. Update. Oui, j'étais déjà séparé. Non, mais c'est important de le dire. C'est important de le dire, parce que... S'il vous plaît, c'est pas bon là que tu fasses des prières avec une sœur alors que tu es en relation avec une autre. S'il vous plaît, pas de relation en désordre. Pas de relation ambiguë à couronner d'amour. Nous condamnons cela. Absolument. À 100%, ok? Donc,
vaut mieux. Non, à 100%. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Absolument, absolument. Oh. Mais comment? Notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Mm. Si tu vois que l'homme qui t'appelle pour prier le soir, en même temps, il appelle quatre autres sœurs, puis il a l'air d'être en relation amoureuse avec vous toutes, s'il te plaît, sors de ce cercle de prière. Ça ne fonctionnera pas. Étant un homme, je vous le dis, dès que tu vois ça, vaut mieux le laisser dans son coin, qu'il s'arrange avec le Seigneur, mm. qu'il arrive à mettre ses priorités aux bons endroits, qu'il sache être en mesure de dire « voilà ma gauche, voilà ma droite », au lieu de dire « gauche-droite ». En même temps. Non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Et là, on ne peut pas piétiner les hommes, mais c'est très, très important. Et voilà. Aussi, les femmes aussi, des fois. Oui. Des fois, c'est « ok, ben ouais, il y a tel gars, mais il y a un autre gars et tout ». Donc, dans les deux cas, ouais. prenez votre temps. C'est ça. La personne qui a été créée pour vous, si elle est réellement pour vous, elle sera là pour vous. Ouais, et ce sera clair dans son esprit. Il n'y aura pas besoin d'être dans des relations ambiguës. Donc, j'aime bien quand tu as dit que c'est autant l'homme que la femme. Absolument. L'homme, pas ce genre de comportement, mais la femme, lorsque tu vois ça, comme, il faut que ça te sonne des cloches, là. Reste pas dans ce genre de relation-là. Vraiment. Parce que vous savez, parfois, il y a des hommes qui ne sont pas sérieux parce que la femme avec qui il fait, entre guillemets, ses aventures, ses bêtises, elle le permet. Donc, c'est à nous, parfois, les femmes, on doit mettre notre pied à terre et dire ça avec moi en tant que la femme de principe que je suis, ça ne fonctionne pas. Et si ce gars-là est sérieux, il va se réajuster. S'il n'est pas sérieux, il ira voir ailleurs. Mmh. Donc, toi, femme, tu dois connaître ta valeur, ton identité et savoir quoi accepter et quoi ne pas accepter. Donc, merci à la personne qui a posé la question. Moi, je n'avais même pas vu. Mmh. Mais vraiment, je pense qu'on a pu bien préciser tout ça. Mais si c'est le cas, si moi, j'ai une question pour toi. Donc, est-ce que c'était la première fois qu'un frère venait avec l'approche que hey, moi j'ai envie de prier avec toi? Ou est-ce que tu pensais que c'était un farceur du style que, ok, là il vient avec, c'est sûr qu'il veut être avec moi, mais il vient avec sa Bible, il vient avec ses proverbes et tout? Ou bien, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as fait comme waouh, comme il a vraiment l'air sincère ce gars? Et ça m'attire le fait qu'ils mettent du côté le Seigneur au lieu de oh, juste être focus sur moi. Si tu peux un peu nous parler de ça, puis après Boris nous expliquer pourquoi tu fais ça. Parce que pour d'autres gars, c'est peut-être pas la chose la plus populaire. Ouais. Tu commences à rencontrer une fille directement, tu parles de la Bible. Ouais. Or, c'est la bonne chose à faire. Mais c'est la pour bonne d'autres, approche, oui. Mais pour d'autres, c'est comme ok, mais si je parle de la Bible, je risque peut-être de la perdre. Soit peut-être si Sister Cassie, toi, vas-y, puis après, brother Boris. Tu pourras compléter qu'est-ce qu'elle dit par rapport à ça. En sachant qu'il nous reste 7 minutes avant de sauter au deuxième live. Ouais. Allez-y. Déjà, en fait, il faut savoir que Boris, enfin, déjà, quand j'ai vu son visage, quand il m'a fait le BBM, tout ça, la demande, j'ai vu son visage. J'ai pas eu beaucoup de, voilà, sans plus. Mais quand on s'est appelé, au fait, on s'est appelé peut-être au téléphone une fois ou deux fois, et après on a commencé à s'appeler en FaceTime. Et déjà, sa personne, comment il me parlait, son caractère faisait qu'il m'inspirait confiance. Je ne le voyais pas comme un farceur, au fait. Donc, ça, pratiquement, quand j'ai commencé à parler avec lui, j'ai été directement mise en confiance et j'étais à l'aise, au fait. Il faut savoir que moi, quand j'ai toujours dit à ma mère, j'avais un oncle, on l'appelait Tonton Boukas. Et c'est quelqu'un, je le trouvais qu'il était, il était doux. Il était doux, il était calme. Voilà, il est gentil, au fait. Et moi, bon, nous, on est des, je suis une Moulouba, hein. Nous, on connaît nos papas Louba, comment ils sont comme ça, quoi. Voilà. Et à ma mère, que mon mari, je disais toujours, mon mari sera comme Tonton Boukas. Il sera calme, il sera doux, il prend soin de moi, il va vraiment, j'aurai un bon mari, il sera intelligent, il aura la crainte de Dieu. Et vraiment, ça, c'était le désir de mon cœur. Et là, je disais, vraiment, Boris, ce qui fait qu'il m'a tellement mis en confiance, j'ai tellement été à l'aise avec lui, que la crainte, toutes les craintes que j'avais par rapport à tout ce qui s'était passé avant, dans ma jeunesse, bah en fait, il a su, en fait, il faut savoir que je crois que la première fois qu'on a parlé ensemble, ou la deuxième fois, on a parlé longtemps, qu'on a appris à se connaître, j'étais tellement en confiance avec lui. Puis il y a quelque chose qui m'a dit, raconte-lui toute ta vie. Et vraiment, j'ai commencé à lui raconter toute ma vie. Wow. Donc, le nombre d'ex que j'ai eu, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait. Wow.
Et je suis forte. Yes. Waouh, Wow. waouh, waouh, Il m'a posé des questions ouvertement. Je lui ai répondu ça oui, ça non, ça oui, ça non. Vraiment, je me suis livrée. Et en fait, j'ai tellement confiance avec lui que je me suis livrée au point que je me suis dit non, lui, ça doit être ça va être la bonne personne pour moi. Il y a les caractéristiques. Au point, je me suis dit que je préfère tout lui dire. Et comme je savais aussi que je sortais d'une relation compliquée, je me suis dit, et que c'était tout proche d'une histoire compliquée, je me suis dit, il risque d'avoir des échos et tout, il risque d'entendre des trucs. Et je me suis dit, je préfère tout lui dire de moi, comme ça, au moins, si demain, on... eh ben, Très fort. lequel entend de quelqu'un d'autre. C'est ça. Ah, pas une surprise pour lui, au fait. Il saura que elle m'a dit, et en fait, ce que j'ai aimé, c'est que il y a des fois des gens qui ont pu lui dire. Ouais, Cassie, tu sais que Cassie, ça. Et il répondait aux gens. En fait, Boris, il va t'écouter jusqu'à la fin. Il va te laisser parler. Il va te laisser parler. Et puis après, quand t'as fini, il va dire, au fait, même si il y a des fois des trucs, je ne l'ai pas dit. Mais il va dire, C'est en ça. fait, je sais déjà. Je suis déjà au courant. Donc. That's Attends, 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 ma soeur. Vraiment, il reste à peine 5 minutes. Et waouh, en tout cas. Cette partie de votre histoire est très, très, très forte. Il y a beaucoup de personnes qui nous écrivent pour demander, oh, Nifa, Joey, est-ce que je devrais déjà dévoiler tout mon passé à la personne que je fréquente et tout? Et souvent, ce qu'on va répondre à cette question, c'est oui, mais ça dépend à quel moment. La sœur Cassie, ici, elle était convaincue que l'homme qui était à côté d'elle était vraiment, je sais pas si je peux dire à 99% son futur mari. Ils avaient développé un tel niveau de confiance dans leur relation qui faisait en sorte que c'était le moment pour elle de pouvoir dévoiler en fait son passé. Et c'est important d'arriver à ce stade de la relation. Si la personne avec qui tu es fiancée ne connaît rien sur ton passé, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux parce que la personne doit savoir avec qui en fait elle va s'engager, ok? Mais aussi à cause de cet aspect qu'elle a cité, ce serait vraiment dommage qu'il apprenne des choses sur toi de la bouche de quelqu'un d'autre. Vaut mieux qu'il apprenne de ta bouche à toi. Maintenant, on n'a pas dit au premier rendez-vous, tu lui dis tout. Non. Attendez que la relation devienne suffisamment mature, qu'il y ait vraiment un bon lien de confiance qui a été tissé. Et là, tu peux lui ouvrir ton cœur et il peut également t'ouvrir son cœur. C'est très, très, très important. Ne vous mariez pas avec quelqu'un que vous ne connaissez rien de son histoire, rien de son passé, parce que ça peut être très, très, très dangereux. Okay? Et quand on dit son passé, ça peut être, oui, le passé amoureux, mais on peut même aller plus loin. Je ne sais pas, peut-être que tu as des dettes à gauche, à droite. Je veux dire, parle-en. Parle-en. Profite vraiment de ces moments de double date pour aussi vous conseiller et répondre à beaucoup de questions que vous nous En posez. même temps, ouais. Voilà. Donc, parlez-en, c'est très important avant vraiment de rentrer dans le mariage. Asseyez-vous, ayez un cœur à cœur. Et je pense que quelque chose qui va t'aider aussi à pouvoir savoir que c'est la bonne personne, à avoir cette paix intérieure, c'est justement cette capacité que tu as de pouvoir réellement être toi-même. T'as pas besoin de jouer un rôle, t'as pas besoin de jouer une comédie, t'as pas besoin d'être un autre personnage. Tu peux vraiment être toi-même et surtout transparente. Si t'arrives pas à être transparente avec cet homme qui est à côté de toi, je ne vous encourage pas à rentrer dans le mariage, en tout cas pas maintenant. Yes. Même chose pour l'homme envers la femme. En tout cas, et nouveau départ. Alors là, il nous reste 1 minute 50 secondes. Il y a quelqu'un dans Yes. les commentaires, il y a Oui. quelqu'un qui a dit, waouh, quel homme, où est le mien? Ma sœur, si tu suis réellement, et pour Yes. toutes nos sœurs, pour tous nos frères qui sont en train de suivre ce live, si eux, si elle, la sœur Cassie, celle que vous connaissez, la chanteuse, a pu être transparente, a pu reconnaître où est-ce qu'elle était émotionnellement, spirituellement, avec le Seigneur, si avec toutes les pensées qu'elle avait, qu'elle pouvait avoir. Si Tatou Boris, hein, maintenant on va t'appeler Tatou Boris. Tatou Boris. Si Tatou Boris vraiment pouvait savoir, il savait, il avait un plan, il savait qu'il allait être un grand joueur de soccer. Mais voilà, tout s'est fracassé. Si ces deux gens que vous voyez là, ils étaient au plus bas niveau de leur vie, mais veut, veut pas, ils se sont accrochés au Seigneur. Si eux, ils ont pu se trouver.
ma soeur, mon frère, tu vas la trouver, tu vas le trouver. C'est inévitable. C'est inévitable. C'est impossible. Ce sera ton partage. Ce sera ton partage. C'est impossible. Alors recevez, 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 recevez. Recevez cette grâce. Recevez cette faveur dans le nom puissant de Jésus. Avant que ça coupe, on aimerait encore vous demander de partager ce live parce que là, ils nous ont laissé dans le suspense. Ouais. Si vous entendez l'histoire de leur fiançailles. Hey. En tout cas, vous ne voulez pas manquer ça. Okay. Faites des screenshots de l'écran que vous voyez en ce moment. Mettez ça dans vos stories, taguez-nous, taguez les Chimpip, taguez Couronné d'amour. Hey. Et on se retrouve tout de suite dans à peu près 20 secondes pour continuer ce double day parce que les choses qu'on reçoit ici, c'est vraiment des mines d'or. Solide. Solide. Ah. Chante et encore, j'aime ça quand tu chantes. Nouveau départ remix. Ah, tu savais pas, hein? On se revoit dans quelques instants. 5, 4, 3, 2, 1. Wouh!